Les gars, dans cette vidéo, on te montre comment fabriquer les bougies. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes juste là, parce que je vais t'expliquer quelque chose qui va te choquer quelque part. Il s'agit des bougies parfumées. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jasmine Richard. Elle existe, d'accord. Tu peux aller faire des recherches. Elle est devenue super riche avec le business des bougies. Elle s'est faite en un an 250 000 dollars en partant de rien. Parce que 250 000 dollars, ça évalué en France, c'est plus de 167 millions. Vous imaginez, 167 millions, ça veut dire que dans ce marché-là, il y a de l'argent, il y a le riz, les gars. Il y a le riz. Elle a commencé avec 150 dollars. Allez, pour 150 dollars, c'était pratiquement 98 000 et poussière. Aujourd'hui, c'est dans les 107 000 parce que le dollar a dévalué. Donc, toi aussi, si elle a fait, ça veut dire que tu peux le faire. Si elle a fait, ça veut dire que tu peux le faire. Ne me demande pas comment lancer le business des bougies. Je ne suis pas fabricante de bougies. Va faire tes recherches. Sur YouTube, il y a tellement de personnes qui font des tutos, qui expliquent ce business-là. Si ça t'intéresse, fais la recherche au poussé, va trouver les informations et commence-moi ce business. Je suis sûre que tu as la capacité de le faire. Je suis sûre que tu peux le faire. Si elle a fait, tu peux le faire. Surtout que je ne vois pas ça en Afrique. Il y a les bougies parfumées en Afrique, oui. Mais il n'y a pas de bougies différentes comme celles que je vois chez les Américains, comme celles que je vois dans cette vidéo. Des bougies particulières. Tu peux t'inspirer des autres. Tu peux suivre des comptes inspirants, comme ce compte TikTok de Britney Candle. Elle fait de très belles bougies. Ça peut t'inspirer ta créativité.